Salut, bienvenue dans le mythique stade Aztec, l'Estadio Azteca ici à Mexico. En commentaire, ce sera Hervé Matou, votre serviteur. Messieurs, dames, bonjour. C'est toujours un moment très important que ce premier match de phase de groupe dans cette Coupe internationale féminine. Ce premier match va certainement donner le ton. Le Mexique contre la France. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre. En tout cas, moi, je suis prêt. Ouais, il y a des options dans la surface. On a l'intervention défensive, mais ce n'est pas terminé. Il y a déjà une faute. La voie est libre. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Oh, magnifique cette passe. La conduite de balle, impossible de lui prendre le ballon. Oh, il y a du monde dans la surface. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Allez, ça joue vers l'avant. Mais non, finalement, c'est un ballon perdu. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Le ballon a été dévié, ça sera une touche. Ah, mauvaise passe et c'est rendu direct à l'adversaire. Trop forte cette passe, dommage, l'appel était bon. La passe n'arrivera pas à destination. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Ah, il est bien parti ce corner. Ouais, le bel arrêt magnifique à bout portant. Super réflexe. Bien tiré le corner là. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Ah oui, la bonne passe. Ah, la tentative lointaine. La puissance y était, mais pas la précision. La passe est interceptée. Oula, ça n'ira pas plus loin. Stéphanie Maillard. Les 30 derniers mètres. Le ballon qui sort. Ce sera donc une sortie de but. L'action qui se poursuit. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Ah, ça, c'est très bien défendu. Ah, la vilaine faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. Le ralenti de ce tacle glissé. Et l'arbitre, évidemment, qui a sanctionné. Ouais, super barré hein, de la gardienne sur ce coup franc. Stéphanie Maillard. La frappe qui est bien partie. C'est au-dessus de la transversale.
Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Avec du monde pour reprendre ce centre. Et c'est l'ouverture du score. L'évateur qui vous remontre une nouvelle fois ce centre qui a amené le but. Très bonne prise d'appui qui permet de bien abattre le ballon dans le but. Techniquement, c'est très bien fait. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Eugénie Le Sommer. Le tir. Ouais, la belle frappe, mais qui manquait d'un petit peu de précision. Parfait ce contrôle pour enchaîner peut-être. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Interception. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Et la contre-attaque, excellente sortie dans les pieds de la gardienne. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. La passe est coupée, bien défendue. Va changer de camp. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Il faut trouver une option disponible. La barre et le ballon qui revient en jeu. Bonne intervention. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Contre-attaque peut-être. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. Elle élimine son vis-à-vis. Amandine Henry. Oh, il a été contré. Il a été contré ce ballon. Et ça a été décisif. Ah, on voit que le ballon a été détourné. Hein. C'est clair sur ce ralenti. Ça joue un rôle. Voilà, la fin des 45 premières minutes. Le score qui est de 1 partout. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Début à l'instant de la seconde période. Attention, elle a réussi à passer. La frappe. Et le but qui leur permet de prendre l'avantage. On voit ce but inscrit certainement au moment où s'y attendait le moins. Et 2-1 donc maintenant. Ah non, le ballon est perdu. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ah, une frappe lointaine, pourquoi pas. L'intervention de la gardienne.
Allez, ça joue vers l'avant. C'est parti dans la surface. Oh, mauvaise relance. Peut-être l'égalisation. Oh, quel arrêt! Quel arrêt! Quelle intervention exceptionnelle de la gardienne. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Attention là, elle va recevoir un jaune, elle va recevoir un jaune, l'arbitre l'avait prévenu, mais visiblement ça ne l'avait pas calmé. Ouais, le changement c'est peut-être mieux parce qu'elle a déjà pris un jaune. La faute me semble évidente hein, sur ce tacle. Allez, il faut centrer. Et c'est repoussé par la gardienne, ça joue. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel. Hein. Et puis la prise de balle dans un deuxième. Ah oui, magnifique. Elle est allée le chercher, ce ballon. Très belle parade. Un corner, allez, pour creuser l'écart dans cette rencontre, pourquoi pas. Corner, le ballon en pleine surface. Et cette tête qui ne va rien donner. Ah, c'est bien défendu, hein, surtout. Et le ballon qui change de camp. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Oh, l'occasion! Oh, bon contrôle là, magnifique. Allez, place là pour une contre-attaque. Ah, la bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Le ballon change de camp. On cherche la faille dans la défense adverse. La frappe. Ouais, pas de souci pour la gardienne. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Et ça sort en touche pour l'équipe mexicaine. Dommage, la frappe qui a filé au-dessus. Ouais, le deuxième jaune peut-être. Attention, ce serait un rouge. Il tente un coup, peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique hein, face à cet adversaire. On applique sans doute une consigne, mais en tout cas ça joue très très bas. Le ballon qui change de camp après cette bonne intervention. L'arbitre avait laissé jouer, mais il revient finalement à la faute. Ouais, elle va sortir, elle devrait sortir normalement.
C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Oh, le bon ballon! Et ça fait but! C'est dévié par le poteau, mais ça termine dedans. On voit tout ça ralenti, ce ballon qui touche le poteau avant d'entrer. Un petit peu de réussite, c'est clair, mais quand même beaucoup d'adresse également. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au terme d'affichage. Attention à ne pas commettre de faute. On va rester prudent, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais pour l'instant... L'équipe semble se diriger vers une victoire avec ses deux buts d'avance, ce qui lui donne un bon matelas. L'occasion pour revenir à une longueur. Bon but pour le Mexique. On voit ce ballon en cloche qui a mis la défense en grande difficulté. Et après, à cette distance, on imagine bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je vous rappelle le score, hein, 3 buts à 2 maintenant. Ah, la petite pichenette, bien vue pour éviter le tacle. Ah, le danger qui s'écarte avec ce long dégagement. Stéphanie Maillard. C'est la toute dernière attaque, je pense. Non, il y a hors-jeu, hors-jeu. La Française... qui obtient une touche. Ouais, un bon ballon d'attaque. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Oh, le ballon dangereux! Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre! Ouais, ça presse haut, attention à ce ballon. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. Alors, attention à l'éventuelle contre-attaque. Allez, il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a encore de la place pour égaliser. Oh oui! Oh oui, l'égalisation! Incroyable! En infériorité numérique! L'égalisation alors que l'équipe jouait à 10 contre 11. Quelle force de caractère! Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Il y aura 4 minutes de temps additionnel, au minimum, bien sûr. Ouais, bien donné ce ballon. Ballon rendu aux Mexicaines avec cette touche. Bianca Sierra. Stéphanie Maillard. Voilà le coup de sifflet final ici et les deux équipes qui vont se séparer sur ce match nul pour cette première journée. Bon, c'est un départ mitigé, on va dire. On a senti qu'il y avait encore des choses à améliorer d'ici le deuxième match. On va mettre un peu plus d'engagement également, certainement. Les limites. What about when no one watching? Do you like yourself when you don't have your phone? Will you still pretend you're happy? What you gonna do when your followers gone? Oh no. Maybe you will see the